Bienvenue sur l'essai de la MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso. Peu de choses différenciées au premier coup d'œil, les deux versions de Turismo Veloce 800, poignée chauffante, capteur GPS intégré, béquille centrale et suspension à réglages électroniques sont l'apanage de la Lusso. Pour le reste, on retrouve la tête de fourche aux courbes fluides, le pare-brise réglable en hauteur d'une seule main, le phare à LED en forme de losange avec son feu diurne et le guidon équipé de protège-mains. L'arrière n'évolue pas, lui non plus, avec ce joli feu et la selle en deux parties qui s'est révélée très confortable. Le passager a pour lui deux grandes poignées pour se tenir et on retrouve deux prises 12 volts ainsi que deux prises USB, c'est Byzance. L'équipement est tout simplement incroyable avec le tableau de bord TFT en couleur qui indique maintenant le niveau de réglage des suspensions. Uniquement le réglage de la détente et de la compression, le réglage de la précharge est toujours mécanique. Cette MV est aussi équipée d'un limiteur et régulateur de vitesse, de poignées chauffantes et même d'une puce GPS qui ne sert malheureusement pas à la navigation, c'est dommage. Le tout est réglable depuis le tableau de bord, tout ceci est très lisible et très simple d'utilisation. On retrouve le 3 cylindres de 800 cm3 qu'on connaît sur d'autres machines de la gamme, mais avec seulement 110 chevaux puisque l'objectif ici c'est le tourisme. Il est secondé par une boîte extractible et un shifter à la montée comme à la descente qui apporte un vrai agrément. À la conduite, le moteur est parfait sauf sous les 3000 tours par minute, ce n'est pas sa tasse de thé. Au-delà, c'est bien mieux, sans parler de ses envolées une fois les 7000 tours passés, le tout accompagné d'une jolie sonorité. Merveilleux direz-vous, surtout que le confort de la selle est agréable et que la protection est très réussie. On a presque l'agrément d'un roadster sportif et le confort d'un trail. Notre italienne est entièrement équipée de suspensions Satch. C'est plus cohérent dans le comportement, mais les réglages électroniques ne jouent pas autant qu'on l'espérait et la moto a tendance à distiller des variations d'assiette importantes sur les freinages notamment. En revanche, on peut changer le réglage en roulant. C'est pratique et très facile. Dans les courbes irrégulières, l'ensemble travaille bien, mais se montre trop souple pour une conduite engagée, même en étant seul avec des suspensions réglées pour du duo avec des valises chargées. La trajectoire est suivie, on ne se sent pas en danger, mais la moto bouge tout de même pas mal. Le freinage est par contre d'un excellent niveau, tant d'un point de vue du ressenti que de l'efficacité. Au final, MV Agusta propose une machine ultra équipée avec cette Turismo Veloce 800 Lusso. Même en fouillant dans les cylindrées supérieurs, on ne trouve pas ce niveau d'équipement et surtout pas de série. On regrette tout de même que les différents réglages de suspension ne soient pas plus sensibles, mais surtout que les valises soient en option à ce niveau de tarif, même si elles sont assez grandes pour accueillir un casque sans problème. Dommage aussi que le GPS ne serve pas à nous guider, alors que le capteur et l'écran TFT en couleur sont présents. Il n'en reste pas moins que cette italienne dispose d'un moteur dynamique et très agréable, tout comme le confort de la selle et la protection qui est d'un excellent niveau, même si le pare-brise ne semble pas très large. Elle ne vole donc pas son patronyme de Turismo par ses aptitudes, de Veloce par son dynamisme et de Lusso par son impressionnant niveau d'équipement. Le hic sera sûrement le tarif qui la place face à des 1200 très bien équipées, elles aussi. De notre côté, on aime bien le dynamisme de ce moteur 3 cylindres, le confort très réussi sur cette petite moto et l'équipement très complet. On aime un petit peu moins le réglage des suspensions qui mériterait d'être plus sensible, le GPS qui ne sert pas à la navigation et les valises qui sont en option. Deux choses à retenir sur cette fiche technique, d'abord le 3 cylindres très sympa et le prix qui est trop élevé. Face à la concurrence, cette Turismo Veloce 800 Lusso reste chère. Voilà, c'est terminé pour l'essai de cette MV Agusta. Bonne route à tous et à bientôt.